café de la marine. Dans une rade de tropique, le patron verse le rhum à l'entonnoir dans des flacons de Scotch King Robert. Les ports sont fatigués, toutes les discordes. Café de la marine, un marin danse à la dérive. Le souvenir des bordels de Marseille, des navires à l'équipage noir d'Amérique. Quand j'étais dresseur de hasard dans un cirque d'ailleurs, j'ai vu une femme sandwich. Les garçons m'ont parlé de Tunis avec un brin de malice. J'ai vu des grimaces d'humains, des tics hérités d'avant. Les gens avaient des peurs enveloppées sous leur manteau, des mensonges chers. J'étais apprenti télépathe, danseur sur soi dans un cafarnaüm. J'ai dessiné des esquisses d'ivresse en dansant sur des livres. Rouler un poème dans les frusques des îles. À la reine des audacieux, j'ai perdu le cours des heures. Dans les filtres membranes et fréquences du son, j'ai demandé à la nuit son tremblement de cordes, debout son couronnement de pluie. À la place de ma tête, une danseuse de buto et des mains un accord d'hymne mais de manque. J'ai demandé à la nuit son tremblement de cordes. La nuit. Pleine lune au-dessus de nos têtes. Je me mets à t'écrire sous la lumière. Elle brille tellement joliment. Elle n'a pas réussi à se cacher. Elle est derrière les nuages, mais son halo la dénonce dans toute sa nudité. Si belle, si précieuse, toute blanche. Sa lumière perce les nuages, se disperse partout et crée une ambiance étrange, comme une magie transparente. Comme si j'étais dehors, quelque part, il y a des milliers d'années. Et que, depuis le zénith, je regardais cet instant. Sa lumière embellit tellement ses barbelés hideux. En qualifiant ce fil barbelé de lait, ne lui ferais-je pas une injustice? Comme ils sont intervenus sur tout, ils ont joué aussi avec sa chimie et l'ont installé sur nos têtes. Cela me démontre que le fait de se retourner sans cesse contre lui, le regarder pour le maudire, c'est se tromper d'adresse. Lavé par les rayons de lune, leur ombre essaime sur les murs de la promenade comme des femmes qui dansent. Ils brillent de plus belle, les barbelés sans vie, les sentinelles de ma condamnation. Contemplant les étoiles, j'avais l'impression de nager dans les profondeurs infinies de l'univers, comme si la vérité de l'univers m'envoyait des messages à travers les étoiles scintillantes pour que je la comprenne. Comme si la matérialité de l'univers murmurait dans mes oreilles par l'entremise de ces étoiles qui apparaissaient dans le ciel à des positions et des profondeurs bien spécifiques. Elles assouvissaient ma curiosité, répondaient à mes questionnements, sans que je ne sente le besoin d'écrire ni de parler. Voilà. C'est ce murmure qui me manque. Je vous salue depuis la geôle d'Ahmed, dont le nom est inscrit dans l'histoire des résistances, et au nom de 50 femmes ici prisonnières. Si nous parvenons à vous atteindre depuis ce lieu où on veut nous faire taire, et vous faire entendre notre voix, c'est grâce à la lutte collective, où qu'elle soit dans le monde, grâce à vous. Le seul prétexte pour mon emprisonnement est le fait d'avoir informé sur le désir de paix d'une enfant. C'est d'avoir dessiné Nusaybin détruit. Ne pas combattre la persécution signifierait que nous n'aurions pas foi en la conscience, le bien, la justice et le changement. Cela voudrait dire que nous abdiquions dès le départ. C'est pour cela que dans cet espace étroit dans lequel je suis enfermé, je ne me sens aucunement vaincu. Leila Guven, députée élue tout en étant en prison, pour laquelle d'ailleurs Zahra a dessiné parce qu'elle ne pouvait pas communiquer, faire campagne autrement. Elle a fait sa campagne avec ses dessins. Elle a été élue Leila et elle est actuellement en grève de la faim. Le 10 janvier, il y avait 239 journalistes en prison. C'était aujourd'hui même, ça a été annoncé le chiffre. Voilà, quelques informations. Merci.
Et dans les femmes qui ont joint, il y en a plusieurs, donc je l'ai dit 229-230. Mais il y a Sabah Tunjel, élue également députée et révoquée, qui est en grève de la faim, et qui Kibriye Evren, journaliste de Gina, collègue de Zera, qui est aussi en grève de la faim. Ce cimetière, archipel de mémoire, vit de vent fou et d'esprit en ruine. 300 tombeaux de terre nue pour 300 morts masqués de terre, des croix sans nom, corps du mystère. Dans son dossier, il est écrit qu'elle peut sortir fin février. Donc on croise les doigts. Et si elle sort fin février, on a une autre bonne nouvelle. Là, c'est un scoop. La totalité de la correspondance échangée avec Zera, ça va faire à peu près 300 pages. Alors, côté Zera, bien sûr, est en cours de traduction. Et ce livre paraîtra aux éditions des Femmes en avril de cette année. Merci Zera.